1988, 1987. C'était bien ces années-là quand même, parce que du coup, on avait de l'informatique familiale en 16-32 bits qui commençait à avoir de la gueule, avec des programmeurs complètement déchaînés qui partaient dans tous les sens à sortir plein de jeux dans plein de styles. C'était absolument n'importe quoi. Et au milieu, on avait les bornes d'arcade qui relançaient d'autant plus fort les enchères, en jouant des performances techniques et en rajoutant des choses qu'on rêvait tous d'avoir plus tard à la maison en se disant oui, la prochaine génération de consoles, elle saura faire ça et ce sera génial. Et c'est exactement dans ce cadre-là qu'est sorti Thundercross. Alors Thundercross, ça parlera aux gens qui avaient des consoles plutôt importées, on va dire, hein. Parce que je crois qu'il y a eu quelques adaptations, quelques portages. Mais c'était à l'origine une borne d'arcade et on va la découvrir pas plus tard qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà joué à Thundercross? Eh ben non, jamais. Mais alors jamais de chez jamais quoi. Alors il me semble que c'est un shooter horizontal, donc je m'attends à une bonne grosse punition, parce que vous connaissez mon talent pour les shooters horizontaux. C'est magnifique. Est-ce qu'on pourrait avoir une démo, mon bon ami? Le temps que je me désérille la gorge. Bon, graphiquement, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est peut-être pas ça le plus important. On va regarder ce qui se passe sur le gameplay. Donc on a des bonus, et apparemment les bonus changent, donc on a de multiples bonus. Donc on va apprendre à les connaître et on va apprendre à gérer nos bonus en fonction du niveau. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Moi je vais quand même rappeler ma technique de base de shmupper vertical pro que je suis, c'est que sur un horizontal, c'est surtout la mémoire qui compte et donc prends l'armement maximal et n'essaye pas de continuer le jeu si tu perds ton vaisseau et l'armement. Ça, c'est ma philosophie à moi. Est-ce que c'est jouable ce Thundercross? Logiquement, avec les échos qu'on en a entendus à travers les années et son nom qui continue de résonner, il y a moyen que le pépère soit. Je vais en prendre plein la gueule, moi. Je vais vraiment prendre plein la tronche. Oui, le jeu doit être bien, mais je pense qu'il y a un coef mémorisation qui va pas être négligeable hein, pour le pépère. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça c'est les niveaux que je verrai pas, je pense. Mais même le niveau du gros vaisseau, je sais pas, on sait qu'il arrive. On va voir ça tout de suite. Après l'information routière, le flash d'information routière, oui, c'est très important. Oui, j'en mets plein, hein, parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. Oui, ne part pas dans l'autre sens, c'est pas là que ça se passe. Il y avait du gros bruitage en tout cas. Oh putain. Dès que tu démarrais ta partie, on n'entendait que toi dans la salle d'arcade. Alors, j'ai mon petit tir, bien. Bien. Il est bien mon petit tir. Alors, la sirène derrière, moi ça me fait penser à un autre jeu. Ça me fait penser à Last Resort. C'est rigolo. Alors, on est avant Last Resort quand même. Et du coup, on a un truc qui est bah, propre, hein. Alors, j'ose pas essayer le deuxième bouton. Je me dis, c'est peut-être une super bombe, mais faudrait peut-être que je la garde. On sait jamais, des fois qu'il y a quelqu'un qui vienne pour manger. C'est toujours sympa de garder les grosses munitions pour les gens qui viennent manger. Un bonus, ça, c'est quoi? Ah, putain de ta mère. Vous n'avez rien entendu. C'est un scratch, c'est un bug de l'audio. Ça va bien se passer! Alors, regardez-moi cette petite. Ah, trouvaille! Bien très très mortelle à la fois, puisque les mecs viennent du fond de l'écran carrément! Ça ose mélanger les styles, les gameplays et tout! Je me barre, vous n'avez aucun humour, je me barre! Comment ça, je la sors tout le temps cette expression aussi, vous n'avez aucun humour? Bah, ils ont vraiment pas d'humour, regardez-moi ça! J'aime pas ces trucs-là, on sait pas quand ça revient, devant! Bien faire le ménage, hein, histoire d'être le moins emmerdé possible quand il y aura des trucs au milieu. Alors c'est probable, sans doute encore une musique faite par John Carpenter, je pense. Non?
Ah, ça pourrait, regardez. Big Trouble in Little Space, je sais pas quoi. Oh, purée, ça va pas le faire, les gars. Alors, c'est tiré, ça nulle, pense-y. Mais il s'annule pas compter dessus. En douille. Voilà, putain, barre-toi courageusement, ouais. Alors là, j'ai un bel équipement, ça serait moche de me prendre un pruneau comme une baleine. Non, comme un baleineau, on va dire. Respectons les baleines. Et je vais me prendre un pruneau, je le sens. Je suis barré pour. J'ai la tête de la victime. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop d'informations pour mon cerveau primaire. Je ne suis plus là. C'est tendu ce passage, les amis. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a mis un peu la pression. Oh, c'est quoi ce tir de merde? Ah non, il est peut-être bien, mais il perturbe quand même. J'aimais mieux celui qui tire devant derrière en même temps, parce que je sens que je vais avoir une grosse misère. Misère. Oh, pardon. On avait dépassé la misère, dites donc. J'avais pas vu. Salut. Je viens pour le boss. Tu as pas vu? Comment ça, c'est toi le boss? Ok. Bon, ça, c'est toi le boss. C'est toujours le boss. Celui-là, je trouve que je l'ai quand même bien torché. Alors, je sais pas si c'est sa difficulté normale. Je vais aller me prendre une caisse sur le bâtiment de ravitaillement. Oui, téléphone, moi aussi, je t'aime. C'est magnifique. Alors, les gens qui ne reconnaissent pas ma sonnerie sont priés de quitter ce stream immédiatement. Parce que ça fait partie des jeux cultes que j'aime beaucoup. Même s'ils ne le méritent pas vraiment. Mais moi, Cuber, ça m'a éclaté, quoi. Oh purée, oui ça c'est bien ça. Et Cubert, mine de rien, moi j'avais la version cartouche ColecoVision. Et oui, vénard que j'étais. Ah oh, putain non, ça c'est pas à prendre ça. C'est mal. Alors deuxième bouton, active, mais... Flamme de l'enfer. Et je viens de percer ce mur avec mon flamme de l'enfer, c'est incroyable. Et je disais donc, oui, même en version cartridge, pour finir le dernier niveau, laissez tomber. C'était autant de la patience du learning que du cul aussi. Fallait un cul pour des nouilles. Bon, moi, tant qu'il est plein, ce truc, je m'en sers. Hein. Il est plus plein, c'est fini. Ah, mais je peux resserrer et desserrer, mais... Waouh. D'accord, le second bouton, en fait, a plein de fonctions différentes. Du coup, personne veut jouer avec moi parce que je suis trop puissant. Non, c'était pas... J'aime pas trop le feu. Ceci dit, c'est quand même fichtrement pratique. Oui, je vais jouer comme un fumier. J'ai jamais fait ce jeu, donc on va en profiter à mort. Je vais essayer d'avancer pour faire voir un max, sans trop insérer de crédit. Oh, le petit fumier. La vengeance sera terrible. Prends-en note. Non, pas maintenant le boss, c'est pas l'heure. Je suis pas bien là. Je suis pas très très bien. Je me sens en petite forme. Je vais ouvrir un peu le cockpit là pour prendre l'air. Ouh. Oh, ça va aller mieux. Ah bah j'ai dû prendre un G ou deux là et je vois le noir quoi. Ça m'aide à me concentrer un bibi. Oui, vous saurez pour la prochaine fois. J'ai que des speeds, c'est mal. C'est très mal. J'aimerais bien un gros canon qui tue, qui tire, qui fait mal. Qui fait pleurer l'ennemi. Qui lui donne envie de faire demi-tour quand il me voit arriver. Parce que là, regarde-moi ce truc là. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des trucs qui vont sortir, c'est obligé. Ah bah non. Ah bah non, non. Ça va jamais le faire. On rentrera pas à tous dans l'ascenseur de toute manière. Faut bien vous mettre ça dans le crâne, les gars. Alors j'en ai fait un morceau, le plus dur, on va dire. Et il me reste donc le plus drôle. Ouh, le petit laser, c'était vicieux ça, parce que à la distance où t'es, j'ai une demi-seconde pour bouger. Et t'es mort, c'est chouette. Alors c'est quand même bizarre que les boss crèvent aussi facilement dans ce jeu, quoi. T'as un armement blindé, tu le défonces, mais t'as un petit piou-piou, tu le défonces quand même. Étrange. Ta réputation serait-elle surfaite?
En plus, je vous rappelle que je suis mauvais dans les shoots horizontaux. Donc, ça veut dire que ce jeu, bah, on va le dire tel qu'il est, hein, il a une grande jouabilité. Parce que pour qu'une burne comme moi arrive à s'en sortir sans avoir passé déjà je sais pas combien de restarts de crédit, c'est que le jeu est bien fichu pour jouer comme un joueur moyen que je suis pour les shoots horizontaux. On n'est pas devant très bien. Hey, deux débris dans la gueule, j'avais pas prévu ça. Bah, que oui, on continue. Est-ce que tu es sélectionné, cher Thunderstorm? Bah ouais. Et là maintenant t'es en train de jouer pour aller dans le top, Coco, hein, parce que malgré l'âge, regarde-moi ça, c'est clean. Alors, il y a des moments je sais pas du tout où on passe. Hein. Bon, je vais m'improviser un chemin là. Hop 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 hop. Voilà, c'est un peu forcé. Ce sont des choses qui arrivent. Ouh là là, ça devient tendu quand même là. Ah les débris, j'oublie à chaque fois. Ah, et la petite boulette que le truc te lâche juste avant, il se positionne devant toi et fait coucou. Blaum. Il y a une belle partie esquive. Vous savez quoi, les amanches? Et ça, je le fais pour vous, hein, pas pour moi, parce que vous connaissez mon amour des shoots horizontaux. Je ne cesserai de le dire et le répéter le long des streams jusqu'à ma mort. Mais voilà, c'est... On va le mettre dans les tops. Oui, vous avez bien entendu, je suis en train de mettre un shmup horizontal dans un top. Il y en a déjà eu, et c'est normal, il le méritait tout à fait. Mais celui-là, que je ne connaissais absolument pas, bah, le mérite tout autant, quoi. Il a des petits trucs vicieux, il y a des passages où il faut réfléchir où on passe. Il y a son armement à gérer pour essayer de s'en sortir un petit peu moins pire, on va dire. Toi, pas... C'est moche, ça. Toi, tu es moche, tu m'as mis la panique, là-haut. Ah, ils vont me mettre encore la panique. Ils sont taqués pour ça. Attends, bouge pas. Mon bonus. Il est souple le bouffe, il est souple. Alors il y a un truc que j'ai pas eu le temps de regarder encore, c'est est-ce que le petit gars nous accorde une hitbox qui soit un petit poil plus petite que le vaisseau. Ah ah. Et oui, c'était pas répondu avant les années 90. Et ça joue grandement justement sur la souplesse d'un fucking titre. Fait en 12, personne n'a rien vu. Alors la musique, j'ai pas le temps de m'extasier dessus parce que je focus un petit peu à mort sur les machins en bas. Oula. Mais oui, il mérite son top. Hein. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as traversé les légendes. Les années, pardon. Et tu es devenu une légende. Thunderstorm. Il y a du boulot pour trouver des boss originaux. Par contre, 0,02 secondes d'invincibilité au redémarrage, c'est peut-être un poil short, les gars. Je vous le dis, hein, après vous faites ce que vous voulez. C'est un poil mal équilibré quand même sur les boss. C'est-à-dire, ils ont des points vitaux, tu les touches 5 fois, c'est réglé. Ça mériterait d'être touché un petit peu plus ou d'être un peu plus planqué, je sais pas, mais. En tout cas, tout c'est clair pour moi. On va se finir les deux vaisseaux restants là. Et puis je vous laisse découvrir vous-même le reste. Parce qu'apparemment il y a de quoi faire. Et puis là je pense que je vais avoir une fréquence de mort assez rapide et rigolote. Ça va bien se passer. Ça va super bien se passer. Tous les gens autour c'est tes amis. Et personne ne va te tirer dessus. Oh non, pas du tout, pas du tout. Ils sont tous là pour rigoler. On va y arriver, faut y aller calmos, faut y aller calmos, faut pas se tendre, ça sert à rien. Ça travaille les nerfs, on est pas bien prêt. Il y a moyen que ça se passe bien, comme disait le grand streamer dont j'ai oublié le nom, mais il y avait un K dedans. Monsieur K, oui, bah moi. Voilà. Il y a moyen que ça se passe très bien. Mais pas avec mon tir de merde, ça c'est clair. Alors je vais appeler bonus 15, parce que j'en ai besoin dans les 15 secondes là du bonus. Ça va partir en couille, je pense. Bonus 15, oui. T'as 2 ondes de retard déjà. Ah ouais, non, mais je paye pas. Je ne paye pas. Mais non, 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 non. Oh, 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 le fût. Le fumeux. Est-ce que ça lui compte derrière quand je lui tape dans le buffet au moins? Oh merde, j'aurais dû buter pendant qu'il était à droite. Là, je suis cuit comme un abruti. Je comprends mieux l'extase sur ce jeu. Il est vraiment terrible.
Non, j'ai dit que je continuais pas. Mais en douce, une fois l'enregistrement coupé, vous me connaissez. Je n'ai pas envie de m'avouer vaincu et je suis très curieux de voir ce qu'il y a après. Bah oui, il est fier aujourd'hui, il est très fier. Eh ben, je m'en veux presque un petit peu d'avoir vécu sans connaître Thundercross. Vraiment, vraiment. Parce que ce truc est assez terrible. Je vous laisse avec les deux streams habituels et je vous donne rendez-vous à demain à 19h pour une nouvelle émission. Peut-être une nouveauté, peut-être le Arcade Legends. Et si c'est pas ça, ben on se retrouvera avec du shmup pour continuer de remplir notre encyclopédie. À demain, ciao.